Bonsoir chers amis, les rigueurs hivernales n'ont pas eu raison de l'affluence. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir ce soir pour la troisième et dernière conférence du mois de janvier, Madame le professeur Mireille Hadas-Lebel, professeure émérite à l'Université Paris 4 Sorbonne, qui est présidente de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Il m'est agréable d'excuser en préambule, comme à l'accoutumée, le maire de la ville de Montpellier et président de la métropole, Michel Delafosse, qui s'excuse et est retenu par un conseil municipal, Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, et Madame Claire Hart, vice-présidente de la métropole. Saluer les nombreux institutionnels, présidents d'associations, qui nous font l'amitié d'être des nôtres ce soir en cette belle salle Pétrarque médiévale. Alors après les venues de Julien Darmon, directeur de l'école des hautes études sciences sociales sur la cabale, de Georges Bensoussan, l'historien de la Shoah, autour de l'un de ses derniers ouvrages, il nous est agréable d'accueillir une éminente savante, c'est un pléonasme, spécialiste de l'Israël biblique, du judaïsme antique, Mireille Hadas-Lebel, qui a été longtemps professeure à l'IPADCO, puis ensuite à la Sorbonne. Elle va intervenir ce soir autour de l'un de ses derniers ouvrages parus, Les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire. Mais nous parlerons vraisemblablement lors du débat de ce beau volume sur Flavius Josèphe, retour aux sources pour notre éminente historienne antiquisante. Voilà, alors je ne vous la présente pas, je viens de le faire, juste rajouter qu'elle a également publié tout dernièrement aux éditions Iodéa, Contes et récits des mondes juifs. Voilà. Alors, effectivement, nous nous retrouverons après une pause de 2 semaines dans cette même salle pour une soirée consacrée au judaïsme languedocien médiéval. Nous avançons d'une demi-heure la séance puisque, avec Roger Dorgenat, nous avons mis sur pied et également le département de l'Hérault, Hérault-Tourisme, une rencontre autour de la réalisation d'une page avec le gouvernement du département sur les trésors architecturaux patrimoniaux de notre département. Puis ensuite, nous nous retrouverons avec le professeur Le Plévêque, avec Pierre-Joël Bernard des archives municipales et Daniel Yankouagou pour évoquer la parution de l'ouvrage « Présence juive en bas languedoc médiéval » que nous avons fait paraître aux éditions du CERF l'année dernière. Voilà, je cède tout de suite la parole à Madame le professeur Mireille Hadas-Lebel qui va me présenter ce bel ouvrage concernant les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire. Les pharisiens, pourtant, j'en parle depuis fort longtemps, je les connais depuis bien longtemps, et je n'avais pas pensé à écrire spécifiquement sur eux. Je les connais depuis que, parce que je n'étais pas une grande lectrice des évangiles dans ma jeunesse, et vous savez que la plupart des juifs ne savent même pas ce qu'est un pharisien. Ils ne se doutent pas que pharisiens, c'est un mot qui les concerne, car ils sont considérés
comme les descendants, les continuateurs des pharisiens de l'Antiquité. Pour un chrétien, au contraire, pharisien est un mot qui est très présent dans leur esprit, si ce sont des fidèles qui vont régulièrement à l'église ou au temple, car ils entendent parler d'eux presque chaque dimanche. Et en fait, le déclencheur de ce livre, le véritable déclencheur, a été une conférence que j'ai faite dans une ville de province où le président de l'amitié judéo-chrétienne locale m'a dit « Bon, c'est bel et bon, nous avons fait beaucoup de progrès, mais tant qu'on continuera d'entendre des sermons dirigés contre les pharisiens, et on sait bien que pharisien signifie juif, eh bien, on n'aura pas énormément progressé. » Donc, alors que je connaissais les pharisiens depuis si longtemps, je les connaissais à travers les Actes des Apôtres, ça va vous étonner, j'ai commencé par là avant les Évangiles, c'était une lecture conseillée en Cagne pour comprendre la propagation du christianisme dans l'Antiquité. Et effectivement, ça m'a fort intéressée et ça continue de m'intéresser. Nous voyons là, dans les Actes des Apôtres, deux figures de pharisiens présentées de manière fort sympathique. D'une part, tout tourne autour de Paul, qui se présente tout à fait à la fin, devant le Sanhédrin, comme pharisien, fils de pharisien. On a l'impression qu'il s'en vante. C'est vrai que c'est tactique aussi, mais car il obtient tout de suite dans l'Assemblée le soutien des pharisiens. Mais les pharisiens sont donc très sympathiques. D'autre part, il y a un maître pharisien qui s'appelle Gamaliel, ou Gamaliel, comme on dit en tout cas en hébreu, et qui prend la défense des apôtres au chapitre 7, si je le trouve. Bien. Donc, pourquoi les pharisiens avaient-ils si mauvaise réputation? Alors que, autre lecture qui remonte à ma jeunesse, j'avais lu Marcel Simon, Les sectes juives au temps de Jésus, qui en fait, je l'ai découvert peu après, reprenait textuellement le Flavius Josèphe, cet écrivain juif du 1er siècle qui a écrit en grec à Rome. Bon, dans des circonstances que j'ai déjà racontées ici, je crois, mais il y a un certain nombre d'années, certainement, puisque mon livre sur Flavius Josèphe, le premier, est sorti en 1989. Vous avez dû m'inviter à ce moment-là. Et donc, ce petit livre de Marcel Simon reprenait Flavius Josèphe, comme le font d'ailleurs tous les historiens qui veulent écrire une histoire du peuple juif au temps de Jésus. Car c'est une source majeure, et une source majeure, mais qui a été préservée plus plutôt par les chrétiens que par les juifs, car il y avait dans son œuvre beaucoup de personnages du Nouveau Testament, et il y avait entre autres, au chapitre 18 de ce grand ouvrage qui s'appelle Les Antiquités, un passage qu'on appelle traditionnellement le Testimonium Flavianum, où il était question de Jésus. Donc c'était le seul témoignage du 1er siècle concernant Jésus, d'où l'attention avec laquelle il a été préservé. Bien, mais Flavius Josèphe ne nous disait pas du tout, il ne le présentait pas du tout les pharisiens comme les évangiles. Il nous disait que depuis très longtemps, alors on ne sait pas ce que ça veut dire dans son esprit, il existait différents, je dirais plutôt courants, écoles à l'intérieur du judaïsme, plutôt que sectes, qui donnent l'idée qu'on se tient en dehors du monde, sais-je. Il en donne brièvement le contenu, brièvement pour les Sadducéens, les pharisiens,
et plus longuement pour ce qui peut apparaître véritablement comme une secte, les Esséniens, pour lesquels il a un long développement, car effectivement les Esséniens c'était quelque chose de fascinant, qu'il a essayé d'approcher de plus près, mais il a dû sans doute y renoncer, car pour entrer dans la secte, il fallait des conditions qu'il n'était pas prêt à remplir. Et il nous dit que les Esséniens vivaient en dehors du monde, entre eux, qu'ils allaient d'un établissement essénien à un autre établissement, ne se souillaient pas de la nourriture des autres juifs, même, ou mettaient des vêtements blancs, à mener une vie que nous qualifierions de monastique, avec prière le matin au lever du soleil, travail au champ, déjeuner en commun très très frugal, retour au champ, puis dîner très frugal, études en commun, etc. Donc un long développement, mais on n'en saura pas autant que l'on en sait de nos jours depuis les découvertes de Qumran qui ont révélé bien d'autres aspects et notamment les livres secrets auxquels lui n'avait pas eu accès. Alors, à part les Esséniens, donc pharisiens et sadducéens. Et là, il nous dit qu'il y avait eu un conflit entre eux, qu'ils s'étaient opposés et nous pouvons remonter jusque vers la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, au moment où ils se séparent sur les traditions orales. Les Sadducéens s'en tenant strictement à ce qui est écrit, c'est-à-dire à la Torah écrite, comme ce qu'on appelle en hébreu Torah Shebichtav, et les pharisiens disant qu'il fallait aussi suivre les coutumes et les traditions des ancêtres, les enrichir éventuellement. Et donc, on pense que c'est ce qui a été à l'origine de Torah Shebe'al-Pe, la Torah orale, la loi orale, comme on dit, à savoir le Talmud, mais qui n'existe pas encore. Il en est loin. C'est une première différence. Cela amène les pharisiens à pratiquer une exégèse très fouillée, très savante, très diversifiée. Donc, ce sont les meilleurs exégètes, nous dit Joseph. Et puis aussi, alors, différence fondamentale, ils croient en la résurrection. Ils croient donc qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a des récompenses et des châtiments dans un monde à venir. Cette croyance est apparue tard dans le judaïsme et elle n'existe pas dans la Torah. Donc les Sadducéens la rejetaient absolument. Ils disaient, où est-ce que vous la voyez écrite ? Il n'en est pas question. Le seul passage clair où elle apparaît est dans le livre de Daniel, qui est un livre tardif, nous disent maintenant les historiens, mais qui, du fait qu'il semblait se passer à Babylone, avait pour lui une apparence de très haute antiquité. Donc c'est là, au chapitre 12, qu'il est dit que un jour, les morts se réveilleront, les uns pour le châtiment éternel, les autres pour la félicité éternelle. Et voilà donc une différence fondamentale entre pharisiens et sadducéens, qui est confirmée par une seule phrase des Actes des Apôtres, les pharisiens qui disent qu'il y a une résurrection et qui croient aussi aux anges et aux esprits. Qui est un ajout intéressant aussi pour nous et pour
pour mieux comprendre la période. Donc, voilà ce que nous dit Joseph. Et pendant des années, j'ai fait des conférences sur pharisiens, sadducéens, essénéens, en disant, bon, évidemment, nous n'avons pas la même image des pharisiens dans les évangiles. Joseph, après avoir fait le tour de tous ces courants, a finalement opté pour les pharisiens. Donc, il est tout à fait normal qu'il en dise du bien. Les meilleurs exégètes, des hommes affables, accueillants, très populaires, etc. Et dans les évangiles, eh bien, les historiens de nos jours considèrent généralement que, comme ça a été écrit après, surtout l'évangile de Matthieu en particulier, après 70, c'est un moment où la seule secte, le seul courant, disons, du judaïsme survivant après la catastrophe qui s'est abattue sur la Judée qui a voulu se révolter contre Rome. Donc ce sont les seuls qui subsistent. Il y a une rivalité maintenant de propagande entre les pharisiens et les chrétiens qui sont d'anciens juifs mais qui se disputent donc sur ces questions théologiques. Bien, mais s'arrêter là, ça ne me donnait pas encore le fond de la question. Sur quoi se fonde cette aversion des pharisiens qui se reflète jusque dans le dictionnaire? Car si vous cherchez le mot pharisien dans le dictionnaire, le premier mot que vous trouverez, c'est hypocrite. Et puis ensuite, vous trouverez légaliste, ritualiste, et des choses pas très sympathiques. Donc, et encore, ce ne sont que les dictionnaires. Mais je ne crois pas me tromper en pensant que la présentation des pharisiens est tellement odieuse la plupart du temps que si vous interrogez un simple fidèle et que vous lui demandez si les pharisiens sont responsables de la mort de Jésus, ils vous répondront oui. Ils ont condamné Jésus. Or, déjà, première constatation, si je lis les trois évangiles synoptiques qui semblent correspondre plus à la vie de Jésus que l'évangile de Jean. Dans ces trois évangiles, il n'y a plus de pharisiens au moment du procès et de la condamnation de Jésus. Il n'y a que des sadducéens, car les grands prêtres sont des sadducéens. Et Joseph nous dit bien que les sadducéens, c'est l'aristocratie locale, mais l'aristocratie est une aristocratie du culte, c'est-à-dire que ce sont les prêtres, les kohanim et les lévites, qui sont d'ailleurs assez maltraités par les kohanim souvent, bon, les prêtres et les lévites. Mais que la majorité du peuple suit les pharisiens, ne suit pas les sadducéens, qui, eux, n'ont pas d'espérance après la mort, qui n'offrent pas aussi au peuple un accueil aussi bienveillant. Donc, pas de participation, dans le texte, à la condamnation de Jésus. Mais alors, que disent les autres passages? Bien, dans les autres passages, pourquoi? Parce que les pharisiens, paraissent-ils c'est assez haïssables, c'est qu'ils sont là tout le temps à épier Jésus. Que fait-il? Il guérit. Quand? Il guérit le Shabbat. Horreur. Qu'est-ce qu'il fait pour guérir? Quelles incantations? Au nom de qui?
appela Shabbat. Ou bien il mange sans se laver les mains. Bien. Je veux dire que quand bien même tout cela serait avéré, je veux dire que lorsque il pose des questions à Jésus, on vous dit que c'est pour lui tendre un piège. Faut-il payer l'impôt à César? Là, payer l'impôt à César, c'est une question piège. A-t-on le droit de divorcer? Question piège. Pourquoi? Piège pourquoi? S'il avait répondu autrement sur la question du divorce, est-ce que il aurait été exécuté ou est-ce que il n'y avait pas d'enjeu véritable? Nous sommes dans un débat. Donc, ça me fait revoir toutes les questions sur lesquelles Jésus et les pharisiens s'entendent, car il y en a, et toutes les questions sur lesquelles il y a un affrontement, et nous verrons, pas si violent qu'il y paraît. D'abord, reprenons peut-être les sujets de débat, puisque je viens de les énumérer. Personne ne connaît ce numéro de téléphone. Elle a pas mal. Non. Je suis vraiment bien. Je vous entends mal. Non, la seule personne qui m'appelle en général sur ce téléphone, c'est ma fille qui est aux États-Unis. Ah oui, c'est pas la bonne. Voilà. Bon. Donc, je dis. Les sujets en débat. les sujets en débat. Alors, prenons la question du Shabbat, car elle apparaît énorme. Bon, c'est peut-être le plus grave reproche qu'on puisse faire. Mais. Voyons les miracles que Jésus accomplit ce jour-là. Alors, sur quoi il guérit? Il guérit un hétropique, quelqu'un qui a la main desséchée, un aveugle-né. Donc, dans aucun des cas, je les ai tous répertoriés, vous n'avez de personnes en danger de mort. Et je crains que la critique qui est adressée par les pharisiens à Jésus fait penser qu'il y a danger de mort et qu'on ne veut pas sauver quelqu'un qui est en danger de mort. Ça n'est pas le cas. Donc, les pharisiens qui l'observent à la sortie de la synagogue, le Shabbat, guérir, critique, ça c'est certain. Ils critiquent pour... car il n'a pas eu de chance, il critique, car il se demande au nom de qui il guérit. Il doit prononcer quelques paroles, des incantations, et là, c'est le soupçon, le pire, est-ce que ce n'est pas au nom de Belzébuth, le prince des démons? Donc, imaginons que sans avoir de raison d'accorder une valeur, une dimension divine à une personne, on le voit, on l'entend chuchoter des incantations, bien, peut-être qu'on peut se poser des questions. Donc, une méfiance, un soupçon, certainement, oui. Il y a d'autres critiques qui
les disciples ont traversé un champ le jour du Shabbat et ils ont arraché des épis. Jésus les a laissés faire, il n'a pas participé, il ne les a pas commandés. Est-ce que donc les pharisiens qui l'observent le critiquent? Mais arracher des épis, du point de vue de la Torah, c'est déjà participer à une cueillette. Et la cueillette est un des actes qui est interdit par la Torah, le jour du Shabbat. J'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Par ailleurs, il ne se lave pas les mains avant de se mettre à table. Les disciples toujours, pas Jésus. Mais Jésus est à table avec les pharisiens, je le remarque en passant. Et si les disciples ne se lavent pas les mains, Jésus répond en les excusant. Ils sont jeunes, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui sort de la bouche. Alors, on a voulu utiliser ces paroles comme utiliser le fait qu'il faisait des miracles le jour du Shabbat pour penser qu'il avait aboli, enfin c'est ce qui a été dit quelquefois, car dans plusieurs livres écrits en général avant la Seconde Guerre mondiale, Jésus apparaissait comme le destructeur du judaïsme. Le destructeur du judaïsme, et les arguments qu'on donnait, c'était pas de Shabbat et pas de lois alimentaires. Au nom de cette réponse que je viens de vous donner, Or, il est clair que la réponse de Jésus est beaucoup plus spirituelle, empreinte de spiritualité que cela. Il veut dire que ce qui sort de la bouche, c'est toutes les paroles mauvaises que l'on peut prononcer, les imprécations, les malédictions. Il ne parle pas ce n'est pas une manière, ce n'est pas pour lui une manière de contester la cachette. Est-ce que il réfute la Torah? Non. Est-ce que lorsqu'on lui pose la question du divorce, eh bien, on lui dit dans quelles conditions peut-on divorcer de sa part, si on le peut? Car il y a d'un côté un texte purement juridique qui se trouve dans le Deutéronome et qui dit, lorsqu'un homme voudra divorcer, c'est-à-dire répudier, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur l'époque, hein, eh bien, il ne pourra pas le faire comme ça, avec un mot ou deux. Je te répudie, je te répudie. Non. Il faut un acte légal. Il faut un certificat de divorce qui s'appelle le guet. Mais dans quel cas? Si on trouve dans sa femme herbat d'avar, intraduisible. Herba, c'est un mot qui désigne la nudité. D'avar, quelque chose de nudité, quelque chose, on traduit dans la Pléiade, une impudicité. Alors, est-ce que c'est une infidélité? C'est ce qu'on peut supposer. Mais Herva peut aussi s'employer d'une manière tout à fait métaphorique. Herva ta'aretz, voilà, découvrir les points faibles du pays. Donc, est-ce que ça veut dire un simple défaut? Eh bien, nous découvrons que deux générations auparavant, il y a eu un débat sur ce sujet, Herbat d'Avar, entre les deux plus célèbres maîtres de la période, qui étaient Hillel et Shammai. Hillel, qu'on représente toujours comme le plus gentil des deux, disant,
même si elle a brûlé sa soupe, voilà, il a un reproche à lui faire. Et tandis que Shammai, très rigoriste, disant non, il faut que ce soit vraiment quelque chose de grave, une infidélité. Donc, on voit que le débat existe. Là, c'est un exemple particulièrement intéressant parce que Jésus est censé trancher un débat réel. Et il hésite, en fait, non, il répond comme Shammai, en l'occurrence, car à l'appui de ce qu'il dit, il cite un autre passage. Et là, c'est typiquement rabbinique comme procédé. C'est-à-dire, il y a un texte qui dit une chose, mais un autre qui dit quelque chose qui semble différent. Comment va-t-on concilier les deux choses? Et il prend, dans le passage de la Genèse, l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. D'où la fameuse phrase que vous entendez dans tous les dîners mondains, on ne sépare pas ce que Dieu a mis quand on vous place à côté de votre conjoint, mesdames. Bon, donc, autre réponse des plus célèbres de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que ne l'a-t-on utilisé à tort et à travers? Pour bien la comprendre dans le contexte de l'époque, il faut se rappeler que depuis l'an 6, la Judée a perdu toute apparence d'indépendance. Parce que je dis bien, avant c'était une apparence. Je rappelle très très brièvement les faits. En l'an moins 63, à la suite d'un conflit dynastique, les Romains prennent pied dans le pays. Ils ôtent au roi le titre qu'il avait, et puis ils partagent le territoire, et un peu plus tard, quand ils trouvent dans l'entourage de l'ancien roi un personnage qui leur paraît avoir de l'envergure et qui saura défendre leurs intérêts contre des envahisseurs venus de l'Est, les Parthes, eh bien, il le nomme roi, et c'est Hérode. Hérode, qui n'était pas destiné à régner, qui était iduméen de naissance, mais qui est imposé par les Romains. Le règne d'Hérode dure longtemps comme celui de tous les tyrans, hélas, et puis ses successeurs ne sont pas à la hauteur des espérances d'Auguste. En l'an 6, Auguste envoie un gouverneur qui réside à Césarée. Et au moment où, du ministère de Jésus, la Judée, alors il y a la Judée au sens étroit, la Judée au sens large. Tout le royaume d'Hérode s'appelait la Judée. Mais ça allait, il y avait de grands territoires qui allaient jusqu'en Syrie. Mais ces territoires de Syrie sont échus à un de ses fils. La Galilée et la rive orientale de la Méditerranée sont aussi entre les mains d'un de ses fils. Mais la partie centrale, la plus importante, celle qui était échue à son fils Archélaüs, c'est celle-là qui revient aux Romains à l'époque. C'est très compliqué, il faut avoir des cartes sous les yeux tout le temps. À l'époque de Jésus, c'est uniquement Judée centrale autour de Jérusalem, Samarie au nord et Idumée au sud. Tout cela est sous le contrôle du gouverneur qui réside à Césarée. Donc, en l'an 6, lorsque Rome avait établi sa domination directe, on avait commencé un recensement, pas pour le plaisir de savoir combien il y avait de juifs dans le pays, mais pour asseoir l'impôt, car dorénavant, le pays
d'Europe. Et là, il y avait déjà eu un soulèvement. Un soulèvement, car on avait compris qu'on avait perdu son indépendance. Alors, il y avait des gens qui étaient d'avis de s'opposer à cela. Et c'est d'ailleurs, c'est cela qui constitue ce que Joseph appelle la quatrième philosophie. Car il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, mais, nous dit-il, en l'an 6, il y a un nouveau mouvement qui est apparu. Ils étaient pharisiens en ce qui concerne les croyances, mais c'était des nationalistes qui disaient qu'il n'y a pas d'autre maître que Dieu et qui ne voulaient pas obéir au gouverneur romain. Donc cette agitation a été endémique pendant tout le siècle jusqu'à aboutir à la révolte de 66 en fait, qui a duré jusqu'en 70 et même 73. Alors, la question se pose, faut-il payer l'impôt à César ? Voilà le contexte dans lequel c'est dit. Et seulement là, c'est une question qui est embarrassante. Parce que on ne sait pas très bien de quel bord sont les gens qui l'interrogent. Est-ce que ce sont des pharisiens accommodants ou est-ce que ce sont des pharisiens que vous appelleriez zélotes qui sont dans la suite de la quatrième philosophie. Donc, Jésus esquive très habilement la question en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Je vous signale d'ailleurs qu'on lui avait montré une monnaie à l'effigie du César de l'époque, parce que César n'est pas Jules César, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'empereur, c'est-à-dire, à l'époque, c'est Tibère. Voilà. Donc, pour reprendre les critiques qui sont faites par Jésus, il y a surtout cette terrible apostrophe qui se trouve dans Matthieu, beaucoup moins dans Marc et dans Luc, beaucoup plus courte, et qu'on a de suite traduire par « malheur à vous ».« Malheur à vous » parce que, alors, il y a six malheurs à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Et c'est cela qui nous vaut dans les dictionnaires pharisien hypocrite. Alors, vous en avez toute une série. Je ne sais pas si je vais tout vous dire, mais ce sont des reproches moraux en général. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alors, cette critique en particulier, où vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, fait apparaître les pharisiens comme des légalistes, ce qu'ils sont sans doute, mais particulièrement ridicules, et qui s'en tiennent à des vétilles et qui négligent ce qu'il y a de plus important, et que leur dit la Torah. C'est négliger, en fait. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent ? Ils reprochent de négliger la Torah. Parce que dans la Torah, effectivement, vous n'avez pas cette histoire d'aneth, de cumin et de... Mais on vous dit, il faut donner la dîme. Et les pharisiens étaient connus pour être très, très, très scrupuleux
surtout ce qui touchait à la dîme. Parce que par la dîme, on payait les prêtres et le culte, qui était purement sadducéen d'ailleurs. Mais aussi, il y avait une autre dîme, c'était la dîme pour les pauvres, la veuve, l'orphelin et l'étranger. C'était toujours, toujours associé, toujours les trois. Bien. Donc, si vous lisez la Torah, on vous dit qu'il faut payer la dîme sur l'orge, sur le blé. Mais voyons nos pharisiens, exégètes, qui discutent entre eux. Est-ce que cette liste est limitative, l'orge et le blé, c'est décrit comme ça, c'est donc on s'en tient, ou est-ce que c'est indicatif, ça veut dire que c'est plus général, tout ce qui touche à la nourriture. Va-t-on priver la veuve, l'orphelin, l'étranger, de tout ce qui est condiment, qui rend les mets plus agréables? Bien. Donc, cette discussion existe et nous en avons la trace, mais presque deux siècles plus tard, dans la Mishnah. Mais là, pour le coup, ça m'instruit sur les débats de la période. Ça veut dire que, voilà, au temps de Jésus, on discutait du divorce, on discutait de savoir si on peut alléger les souffrances de quelqu'un le jour du Shabbat ou pas. On discutait de la question de la dîme. Et effectivement, il y a une question qui est posée, une expression qui est souvent utilisée lorsque les pharisiens interrogent Jésus. C'est pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Moi, je dirais peut-être pour, de nos jours, on dirait pour le tester, comme si il le voyait là, avec ses disciples, parcourant le pays, comme le faisaient les pharisiens. Car les Sadducéens étaient à Jérusalem, les Esséniens étaient dans leurs établissements, et ceux qui étaient en contact constant avec le public, c'étaient les pharisiens. Et enseignant à ses disciples et se demandant, est-ce qu'il est des nôtres ou pas? En fait, le nombre des pharisiens n'était pas énorme. Le nombre des maîtres, d'après Joseph, il y en avait 6000 dans tout le pays à l'époque des rois. Sur un pays qui comptait peut-être 2 millions d'habitants, c'était infime. Mais ils avaient des disciples autour d'eux qui ne méritaient pas le nom de pharisiens encore, ou pas le nom de docteur de la loi. Et puis, ils avaient une influence sur la population. C'est eux que le peuple suivait de préférence, dans leur croyance et aussi dans leur pratique, parce qu'ils avaient instauré des fêtes au moment de Soukhot ou d'autres. Donc, on peut se demander si tous ces débats, en fait, toutes ces façons de l'épier, ne sont pas une manière de confirmer ou d'infirmer son acceptation parmi les pharisiens. Car personne ne donne l'ordination « vous êtes pharisien ». On se déclare pharisien, on montre qu'on est capable, son habileté exégétique, de faire partie des pharisiens, et aussi par certaines pratiques de pureté que les pharisiens recherchaient, car les pharisiens étaient les démocrates de l'époque, et aux Sadducéens qui étaient les Kohanim, ils pouvaient objecter que dans la Torah il est écrit « Vous êtes un peuple de Kohanim, vous êtes un peuple de prêtres et une nation sainte. » Alors, mais nous n'avons pas dit l'essentiel avec tout ça. L'essentiel, c'est ce que Jésus affirme
dans un des plus beaux textes, des plus connus, le serment sur la montagne. À savoir que pas un iota de la Torah ne disparaîtra. Et que, dans d'autres passages, lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus important commandement, ben, il répond par le schéma Israël et il ajoute tu aimeras ton Dieu tout ton peuple, tout ton pouvoir, et il ajoute aussi et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux citations bibliques, et il avait approuvé une réponse semblable déjà, mais on nous dit dans selon Luc, lorsque un docteur de la loi dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Alors voilà, c'est typique. Un docteur de la loi dit à Jésus pour l'éprouver. On a l'impression que c'est encore pour le faire chuter, que pour le... Mais il l'appelle maître, il l'appelle rabbi. Alors, il manque de respect. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, c'est-à-dire dans la Torah? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et puis, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est une réponse de pharisien. Nous l'avons ici en Luc 10. Lorsque des sadducéens viennent demander ironiquement à Jésus comment il résoudrait un problème fort difficile concernant la résurrection. Car Jésus croit en la résurrection, bien sûr. Voilà une femme qui se retrouve veuve sans enfant et qui, selon la loi du Lévira, d'après le mot Léouir qui signifie le beau-frère en latin, doit épouser le frère de son mari défunt. Mais pas de chance, il meurt, et puis elle épouse un troisième frère, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Vraiment, elle porte malchance à tout le monde. Un cinquième, un sixième, un septième. De qui se retrouvera-t-elle la femme au jour de la résurrection? On imagine les éclats de rire des Sadducéens qui ont sorti là une bonne blague, une colle. Mais Jésus répond, ça ne se passera pas comme ça, on aura une autre nature. Et les pharisiens présents l'approuvent, comme ils ont approuvé sa réponse pour savoir quel est le plus important des commandements. Donc, nous nous apercevons que sur les questions fondamentales, le respect de la Torah et la résurrection, c'est vraiment tellement central dans le christianisme, Jésus et les pharisiens sont tout à fait d'accord. Alors, ce qu'on pourrait objecter, mais pour moi ça n'est pas une objection, c'est dans le sermon sur la montagne, vous avez appris que, tu ne tueras point, mais cela ne suffit pas, il ne faut pas se mettre en colère. Vous avez appris ceci, mais moi je vous dis, Alors, moi je vous dis, ce n'est pas dans la coutume pharisienne, car les pharisiens en général se réclament toujours d'un maître qui, je vous dis, au nom de Rabbi Atel. Enfin,
si tout le monde disait au nom de, au nom de, au nom de, la pensée ne progresserait pas beaucoup. Et en fait, il y a des maîtres qui ont dit autre chose, qui sont allés aussi au-delà de ce que disait leur maître. Et je vous signale d'ailleurs que là, les pharisiens sont peut-être, c'est peut-être sous-jacent, mais il n'y a pas de pharisiens dans le sermon sur la montagne. Mais et même dans une perspective strictement pharisienne et ancienne, on pourrait lui trouver une justification. Car les plus anciens maîtres connus, qui datent du 1er siècle avant l'ère chrétienne, avaient un principe qui était Asus Seyag la Torah, faites une haie autour de la Torah. C'est-à-dire que pour préserver ce qui est central, il fallait élargir encore l'interdiction faite autour. Donc, il n'y a rien de fondamental qui oppose Jésus et les pharisiens. Il y a une manière de présenter les choses, de traduire les choses, c'est ce que nous allons voir avec Matthieu 23, qui est le chapitre qui peut paraître le plus terrible, avec cette succession de malheurs à vous, scribes et pharisiens, qui sont assénés. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas un contexte qui le justifie. Alors, comme vous le savez, les évangiles nous sont parvenus en grec. Mais comme vous le savez aussi, l'évangile de Matthieu est peut-être, et certainement peut-être, le plus juif de tous à la fois, et le plus anti-juif à la fois, en apparence, avec tous ces malheurs à vous qui se succèdent. Alors, on peut se demander si dans la version originelle, qui était peut-être de l'araméen ou de l'hébreu, quel était le terme qui correspondait à malheur à vous. Mais déjà en grec, on a oai. Et oai, c'est ou, je ne sais pas, enfin, c'est une exclamation. Oai correspond dans la traduction des Septante, puisque les Septante c'est le texte grec de la Torah, au roi que l'on trouve chez les prophètes, et que l'on ne trouve pas une seule fois, et que l'on trouve 50 fois chez Isaïe notamment. Or, la prédication de Jésus est très proche d'Isaïe, c'est le prophète qu'il cite, qu'il lit dans la synagogue de Nazareth. Donc, que signifie roi? C'est de même que roi est une exclamation, roi est une exclamation. Or, voici ce que dit Isaïe. Roi à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Roi à ceux qui se disent sages et se croient plus intelligents. Roi à ceux qui donnent raison aux méchants et ignorent la justice. Bon, c'est malheur à vous, vous pouvez. Et puis, vous trouvez Isaïe 55.1, « Roi, vous qui avez soif, allez vers l'eau. » Et alors, c'est bien la preuve que « roi » ne signifie pas « malheur à vous », c'est que dans tous les autres contextes, vous pouvez traduire « pauvre de vous »,« malheureux êtes-vous hein ». Ce n'est pas la même chose que « malheur à vous », il y a bien d'être une malédiction. Et les prophètes d'Israël ont dit ça contre leur propre peuple. Ils voulaient les redresser, ils ne voulaient pas les maudire à jamais. Donc, je crois qu'il il y a des erreurs de traduction à corriger et il y a aussi une éloquence à remettre en contexte. C'est une éloquence biblique, nature biblique.
c'est une sainte colère. Peut-être Jésus peut être révolté par certains comportements, mais il n'a pas maudit ses frères pour l'éternité. Et d'ailleurs, il est tellement fabuleux. Le Nouveau Testament, pour moi, est un livre très très profondément juif. Profondément juif, que si on dépasse cette opposition apparente, nous renseigne en fait sur le judaïsme de l'époque. Je le disais sur les débats qui couraient, sur le comportement des hommes, sur l'habillement, avec les franges de Jésus auxquelles s'attache une femme à un moment donné, peut-être même d'ailleurs les scribes, puisqu'on dit qu'ils se pavanent dans des robes, ils se mettent au premier rang, enfin, peut-être que effectivement les scribes qui savaient écrire avaient sur la majorité des gens qui peut-être savaient lire mais pas écrire une supériorité qui était reconnue. Et puis un style aussi, le style de la parabole, c'est tout à fait... Regardez, si je vous lis ça, vous allez me dire que c'est du Nouveau Testament. La journée est courte, le travail abondant, les ouvriers sont paresseux, mais le salaire est important et le maître presse. Pensez aux ouvriers de la 13e heure, de la... 25e. Pardon ? 25e. De la 25e heure. Oui, tout à coup, bien, ne considère pas le vase, mais ce qu'il renferme. Il y a des vases neufs remplis de vin vieux et des vases vieux qui ne contiennent même pas de vin nouveau. Ou bien, le monde n'est que le vestibule du monde à venir. Prépare-toi dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans le palais. Ou bien, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir un salaire, etc. Bon. Tout ça, c'est tiré des Pirkei Avot et de maîtres du 1er siècle avant. C'est le style de l'époque. La parabole est un genre qui s'est développé, que Jésus a développé à un niveau tout à fait supérieur, parce que nous avons une quarantaine de paraboles dans le Nouveau Testament, mais des paraboles qui sont quelquefois pas prises comme des paraboles, qui sont prises comme des choses réelles. Par exemple, le bon samaritain. On oublie que c'est une parabole. Et le bon samaritain, c'est une expression courante, les samaritains sont bons. Demandez qui sont les samaritains, ils sont bons. Ben, sauf que, au chapitre 7 de Luc, vous dites, Jésus envoya des gens pour préparer sa venue chez les samaritains, et les samaritains lui refusèrent le passage parce qu'il allait à Jérusalem. Et la parabole du bon samaritain n'est pas interprétée, à mon avis, comme on devrait, mais là peut-être qu'il y aurait une discussion entre les... Parce que vous dites, on vous dit que entre Jéricho sur la route, entre Jéricho et Jérusalem, un homme a été attaqué par des brigands et il est laissé blessé au bord de la route. Passe un Lévi. Passe un samaritain qui se porte à son secours, qui le soigne, qui l'emmène chez lui, etc. Ben, on voit bien, c'est une parabole, c'est un sermon. Il veut faire honte à ceux qui l'écoutent. Et il attaque aussi, il y a une pointe sociale. Il attaque ces prêtres, cette caste de Jérusalem, qui n'aiment pas, et avec raison. Savez-vous que le grand prêtre était nommé par qui à l'époque? Il n'y avait plus de prêtres héréditaires comme avant.
dire avant la révolte des Maccabées. Qui nommait le grand prêtre? Le pouvoir romain. Le pouvoir romain. Donc, si un fameux Ponce Pilate a laissé en place le grand prêtre de son temps, c'est qu'il s'entendait fort bien. Parce qu'autrement, comme le dit Camus, on change de prêtre tous les ans. Voilà ce qu'ils ont retenu 3-4 siècles après. À cette époque-là, on changeait de prêtre tous les ans. Donc, je crois que, en conclusion, je crois qu'il faut surtout comprendre le contexte historique de l'époque. Et lorsque j'ai commencé à le voir sous un autre angle, tout à fait, ça m'est apparu comme un document où il y a une part de polémique, bien sûr, parce que les rédacteurs du Nouveau Testament, il faut se dire qu'il y a eu des rédacteurs du Nouveau Testament, vivent à une époque où il y a des rivalités, surtout et des rivalités entre juifs qui croient et ceux qui ne croient pas. Et Matthieu étant le plus juif, je vous le disais, celui qui connaît le plus de textes, qui les cite à l'appui en permanence. Mais voilà, en fait, une querelle de famille qui a quelquefois mal tourné. Je vous remercie de votre attention. Stéréotype biblique, disait Le Monde dans un article, cette réputation péjorative des pharisiens est héritée des évangiles, et en particulier de celui de Matthieu. Alors, dans un article de votre plume, dans la revue Sens, Un nouveau regard sur les pharisiens, vous résumez effectivement le contenu de votre bel ouvrage, et d'entrée ce postulat, je cite, l'idée d'un Jésus juif rencontre encore beaucoup de réticence dans les consciences chrétiennes, même déchristianisé. Alors, pour lancer le débat, j'aurais une question, polarisée que je suis avec Montpellier. Pouvez-vous nous dire quelques mots du montpelliérain Joseph Salvador, auquel d'ailleurs j'ai pu consacrer une notice dans mon livre sur les Juifs des Terres d'Oc, lui-même né d'un mariage mixte et qui a redonné à Jésus sa dimension hébraïque. Écoutez, moi je ne peux pas en dire beaucoup, sauf qu'il est montpelliérain. Et qu'il a insisté sur les origines juives de Jésus à une époque où ça ne se faisait pas trop, c'est-à-dire sous la Restauration. Et que ça n'a pas toujours été très bien reçu de son temps, parce qu'on était en pleine réaction. Mais non, je souhaitais surtout que vous ayez une conférence sur Joseph Salvador. Il y a maintenant quelqu'un qui peut vous la faire, vous l'avez invité, je ne sais pas. Pardon. Vincent Payon. Il y a Vincent Payon. Avant ça, il y avait un garçon montpelliérain très très méritant qui avait beaucoup travaillé dessus. Je pensais qu'il vous ferait une conférence. En fait, maintenant que Vincent Payon a écrit le livre, il est évident que c'est lui qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. Merci Mireille. Des questions pour le professeur Anas Lebel? Intervention, monsieur Amar. Vous avez une voix qui porte, non? Oui, bien. Bien, j'aurais beaucoup à dire, alors je vais essayer de faire court. Sur Matthieu, vous avez porté l'attention sur le malheur à vous. Alors ça, il y a peut-être une discussion en sémantique là-dessus, mais ce qu'il faut voir dans Matthieu, c'est que il traite d'hypocrite et de vipère, et de jeter dans ces gens-là dans la moyenne. La moyenne, c'est le fossé ou la gienne, excusez-moi, la gienne.
l'enfer. À l'enfer. Oui, oui, non, oui, voilà. Bon, alors, vipère, hypocrite, etc. Ceci dit, mon sentiment, ben ça, c'est pas nouveau. Jésus a certaines violences et qui m'intéresse vivement. Je suis confession israélite. Et pour moi, comme vous l'avez signalé, vous dites Matthieu, profondément juif, etc. Pour moi, Jésus est un rabbi parmi d'autres qui va très loin, qui va plus loin et qui est dérangeant. Et comme la chanson de Brassens le dit, les gens, les braves gens ne peuvent pas que en suivre une autre route que. Et d'ailleurs, il a très mal fini. Ceci dit, les marchands du temple, etc., il y a des violences. Et je vais pas, je finis, si vous voulez, par une hypothèse psychanalytique. Jésus a tué le Père. Alors, Jésus, voilà, c'est-à-dire que Jésus a une réputation de douceur, de bonté, d'accueil, et le malheur à vous ne coïncide pas très bien avec ça. Sauf si on se rend compte que c'est que les prophètes d'Israël ont dit des choses terribles aussi. Et je vous conseille de les lire. C'est vraiment une colère prophétique. Alors maintenant, vipère, je me demande si ça n'était pas aussi une façon de parler de l'époque, parce que je vois que Jean-Baptiste, au moment où il voit venir vers lui des gens qui veulent se purifier par l'immersion, comme il le propose, qui sont à la fois pharisiens et sadducéens, les appelle vipères. Or, ils viennent justement pour se purifier, donc ils ne sont pas dans un mauvais état d'esprit. Alors, donc, l'AGR, il me semble, bon, je peux reprendre le texte, mais enfin, il y a une question que je n'ai pas du tout abordée. Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui couraient les mers pour faire un converti et qui les rendaient fils de l'AGR plus que vous. Je cite pas très bien. C'est-à-dire que, est-ce que Jésus peut critiquer ceux qui veulent convertir les autres au Dieu unique, alors que nous sommes dans un monde entièrement païen, hein, on se rend compte. Partout, des temples, des statues, des processions, bon. Alors, il dit, si vous les rendez fils de la gêne plus de vous, le malheur à vous, en fait, Jésus n'a pas fait beaucoup de prosélytisme hors des frontières d'Israël. Hein. Il est allé à Tyr, je crois, et puis bon, il a rencontré une Samaritaine. Ça, je crois que ça reflète, c'est vraiment, ça reflète Matthieu et l'époque où il écrit, et où il y a une concurrence entre les juifs et ceux qui croient au Messie et les autres. Mais ce qu'il leur reproche, c'est de devenir comme eux, c'est-à-dire de faire des convertis, pas de faire des convertis, mais de les rendre aussi hypocrites, ritualistes, légalistes qu'eux. Voilà. Une autre intervention, monsieur ? Oui, je voulais dire que, en vous écoutant, vous dites à un moment donné, vous venez de lire encore le contexte d'écriture de l'évangile de Matthieu, du moins dans sa forme définitive, reflète aussi, il me semble, cette tension justement entre le courant pharisien qui a survécu à la destruction du temple et le courant, disons, judéo-chrétien des origines. Et je pense qu'on a prêté à Jésus aussi parfois peut-être des paroles qui reflétaient plus la situation, le contexte de l'écriture de l'évangile plutôt que l'époque de Jésus. C'est bien ce que je voulais dire. Merci. J'avais dit mieux que vous. Alors, une dernière avec Youssef, et puis ensuite Mireille aura le plaisir de vous dédicacer les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire, qui est par Michel grâce à la librairie Sorance, qui est partenaire de cette soirée. Youssef.
François, merci beaucoup pour votre intervention. Tu y es parmi nous. On le suit à chaque fois. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, pharisien, étymologiquement, ah, ça se réfère. Je suis impardonnable. Excusez-moi. Parce que je suis philologue à l'origine et j'adore les étymologies. Et là, j'ai sauté. Bon, écoutez, il y a des gens qui lisent leurs papiers de bout en bout et donc c'est sûr de rien oublier. Moi, je préfère ne pas lire, alors j'oublie des choses et je regarde. Alors, je vous réponds tout de suite parce que c'est... Oui, étymologiquement, au niveau hébraïque... Étymologiquement. D'abord, nous avons le mot que nous connaissons en grec, pharisaïos. Ah, alors, d'où est-ce que ça vient? On se dit, on trouve dans la littérature rabbinique le mot roushi, qui signifie séparé. Mais on s'aperçoit dans la littérature rabbinique que ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il y a quelques textes où il s'agit visiblement des pharisiens opposés aux sadducéens. D'autres fois, parce que ça n'existe plus maintenant. On parle du passé. Mais quand on l'utilise à l'époque des textes, 3e, 4e siècle, etc., ça veut dire quelqu'un qui se met à l'écart des autres et c'est pas toujours bien vu. Donc il peut y avoir même une femme qui se proche, qui se sépare. Il peut y avoir des gens qui apparaissent comme des hypocrites. Alors souvent on dit, vous voyez même dans le Talmud de Jérusalem, il est question de pharisiens hypocrites. Non. Ce sont des gens qui se sont séparés des autres pour vivre en ascète, pour montrer leur vertu, pour se racheter d'une faute en pensant que c'est, voilà, si je m'astreins à ceci, ben je vais pouvoir compenser cela, et puis ensuite je recommencerai, puis voilà, ce sera... Et la liste se termine, il y a une énumération de 7 prochim, fort peu sympathique, et le dernier c'est Abraham. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et on dit, et Abraham qui s'est séparé par amour. Alors, à quoi ça fait allusion? Ben, vous voyez bien, c'est l'Er Lecha, Mer Tzecha, etc. C'est chapitre 12 de la Genèse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, etc. Ben, par amour pour Dieu. Voilà. Donc, l'usage n'est pas le même. Oui, alors, deuxième question. Oui. Vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait donc tout le peuple juif qui vivait à Jérusalem, à Israël, et avec tous ces savants, ces études, Talmud, de Jérusalem, etc. Et il y a l'autre côté, il y avait l'autre peuple Israël qui vivait en Perse antique, avec tous ces aussi tous ces courants, toutes ces recherches. Est-ce qu'il y a une interaction, est-ce qu'il y a eu une interaction entre ces deux courants, ces deux peuples qui vivaient, vous avez dit, dans la Grèce antique? Non, la Perse antique. Ah, dans la Perse antique. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, bon, je comprends, c'est assez vaste, mais bon, je voulais savoir. Non, vous posez le problème de la diaspora. À cette époque-là, la diaspora est plus importante en nombre que les Juifs, que les Judéens, parce qu'il faudrait dire Judéens. Ça vient de Judéus, ça a donné Juif en français, mais à l'origine, c'est Judéen. Il y a
très belle diaspora à Alexandrie. Je vous en ai parlé quand j'ai dû parler de Philon d'Alexandrie ici. Il y a une diaspora en Asie mineure. Là, lisez les Actes des Apôtres. Vous verrez la liste des synagogues qui pouvaient exister à l'époque dans des petites villes dont vous ne connaissez même pas le nom. Alors, tout ça, ça fait partie du monde romain déjà. C'est de langue grecque, mais ça fait partie du monde romain. Et puis, à l'est, dans l'ancien empire perse, qui à cette époque-là est occupé par les Parthes, qui sont des gens un peu moins civilisés que les Perses, enfin bon, mais ils tiennent encore, il y a en Babylonie une forte communauté juive qui descend des exilés d'autrefois, qui sont restés sur place, qui ont joui d'une certaine tolérance dans l'Empire perse et qui n'en sont pas repartis. J'en ai parlé, je crois, aussi à propos de Hillel, parce que justement, Hillel fait partie de cette diaspora. Hillel à Bavli, Hillel le Babylonien, et il est venu à Jérusalem pour suivre des études, et il y est resté. Et après lui, il y en a d'autres qui suivront son modèle, ça sera après la destruction du temple, notamment Rav, ceux qui fondent les premiers Amoraïm babyloniens, Rav et Shmuel. Mais le flambeau se déplace. Les Babyloniens, au 1er siècle, ne sont pas encore aussi... n'ont pas encore développé leur exégèse, mais avec le temps, ils se mettent à l'école de la Galilée après la destruction du Temple, et ils repartent avec un bagage qui est la Mishnah, qu'ils développent. Et alors, je vais vous dire quelque chose que j'aurais pu dire au début. J'ai fait des comparaisons entre les observances qui sont décrites dans le Nouveau Testament des textes rabbiniques. Mais j'ai essayé autant que possible, vous avez remarqué, de prendre des textes les plus anciens possibles pour que la comparaison. Et les plus anciens et ceux de la Judée de cette époque, pour que ça ait un sens, parce que si on est en Babylonie, les choses ont évolué, on est en Babylonie 3 siècles, 4 siècles plus tard, les populations sont différentes, elles ont des coutumes différentes, des croyances aussi, il y a des croyances populaires qui circulent et qui se sont introduites dans le Talmud et qui sont des croyances tout à fait babyloniennes. Donc, je ne voulais pas que ce soit brouillé par des comparaisons avec le Talmud de Babylone. Donc, dans la mesure du possible, si j'ai trouvé des comparaisons, c'est avec soit les Pirkei Avot, c'est formidable parce que c'est vraiment c'est plus ancien, soit avec la Mishnah, préférence, et ou éventuellement ce qu'on appelle une Baraita, c'est-à-dire un texte qui n'est pas entré dans la Mishnah, mais qui s'est réintroduit par la suite comme tradition orale dans les deux Talmud. Philon d'Alexandrie, l'hébreu 3000 ans d'histoire, Massada, Flavius Joseph, vous avez enrichi nos programmations pendant cette double décennie. Vous étiez là dès la fondation de l'Institut Maïmonide, dans une première saison avec Georges Offray, je connais Samuel Sirah, Gérard Maron, Daniel Mesquich. On est heureux de vous accueillir ce soir pour les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire. J'aimerais saluer deux personnes ici présentes, deux régionaux, qui ont écrit sur Jésus, Florian Mancione et Marie Vidal, qui nous vient de Béziers. Marie, merci. Nous allons nous retrouver pour un mois de février non moins passionnant, puisque après avoir posé nos valises dans les différentes localités, les différentes judaïcités occitano-catalanes pour le 6 février, nous retrouverons pour ici réunis le 20
février dans cette salle pour appréhender deux de ses ouvrages phares. Et nous clôturons le mois de février 23 avec le professeur Christian Amalfi de l'Université Paul Valéry, qui rendra hommage avec nombre de ses collègues au regretté historien et historiographe Charles-Olivier Carbonel. Merci encore au professeur Adassebel qui va vous dédicacer son ouvrage et à très vite donc.